There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire brigade. Help our souls tonight. We're losing this fight. Oh, help our souls tonight. Is no one. Et salut tout le monde, Thunder Excel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc, ça fait un petit moment, je sais. J'avais juste la flemme de tourner 2-3 vidéos. Mais vu que mes abonnés ont continué d'augmenter, je me suis dit, on va quand même faire des vidéos, ça fait toujours plaisir aux abonnés. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de cette zone-ci. Si je ne l'ai pas encore dit en vidéo, on a continué le bâtiment là-bas en live. Donc voilà, on a fait toute la structure extérieure. Ce qui est déjà pas trop mal. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre David là, je le ferai plus tard. Donc aujourd'hui, on va faire un bâtiment. Donc je le fais complètement au feeling, ce bâtiment. Donc de chaque côté, on va avoir des structures ainsi. Ici, c'est séparé de 7 entre les deux piliers rouges et 5 entre les piliers blancs. Forcément, il y a deux blocs en moins. Donc on va remettre des piliers blancs ici. On va refaire 5. Voilà, pilier rouge. Comme je vous dis, sur cette vidéo-ci, il n'y aura pas de photos pour montrer le bâtiment original, vu qu'il est complètement dans ma tête, ce bâtiment-ci. Donc voilà, on l'a fait 2 fois. Attendez que je regarde, hein, parce que j'ai mon idée. Ouais. On va faire autre chose, on va casser un peu la régularité. Donc ce qu'on va faire, c'est hop, ici. On va mettre 3 de chaque côté, voilà. Tac. Donc on a notre structure là. 1, 2, 3, hop. Qu'on n'ait pas des vitres pas assez larges. Voilà, donc globalement... Ici, ça va être notre première façade. Ici, ça va monter. Les deux tours que je viens de faire, ça va monter assez haut. Enfin, plus ou moins la même hauteur que ce bâtiment-là. Je le ferai après avec vous. Et ensuite, on va avoir ici une partie qui va aller en renfond. Donc, l'entrée sera un peu décalée. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire une entrée un peu décalée comme ceci. En arrière, voilà, comme ça. À voir si ça rend pas trop bizarre. Non, ça va. Et ici, donc, on va avoir du verre au-dessus de cet endroit. Il va avoir du verre qui va remonter pour faire une forme dans le bâtiment. Donc, je vais monter tout ça assez haut et on se retrouve. Et voilà, donc j'ai monté la hauteur. Un petit peu plus haut, donc je sais pas si ça va rester à cette hauteur là. Pour l'instant, c'est à cette hauteur là le temps qu'on travaille un peu dessus. Mais si je vois qu'il y a un souci au niveau des étages, je vais remonter un tout petit peu, comme ça ce sera fait. Donc ici, on va s'attaquer à la baie vitrée. Donc ici, on va déjà avoir comme ceci. D'ailleurs, je vais faire autre chose, je pense que je vais un peu l'arrondir, je vais un peu arrondir la chose, hop, comme ça, tac, tac, moins qu'on ait une forme un peu différente, ouais bon, ça rend un peu bizarre là sur le coup, mais je pense qu'il y a moyen de faire un chouette truc. Donc là on va remblayer, hop, comme ça que j'ai fait, ouais, hop. Donc les piliers vont monter jusqu'ici. Tac. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, je suis pas encore tout à fait convaincu. Quoique... Ouais, ça passe en fait. Hop. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est... On va reprendre cette forme derrière le quartz. Des vitres... Je sais pas quelle vitre mettre en fait. Attendez. Gris clair, je pense que ça passerait mieux, c'est plus beau. Hop. Comment je vais faire ça? Quoique, le faire démarrer ainsi. Ouais, on trouvera un moyen de soutien. Hop.
Si j'y arrive, voilà. Tac. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme ceci, on va faire une petite forme qui monte. Donc toujours comme ceci, voilà. De l'autre côté, on fait la même chose, tac. Voilà. Donc ensuite, on va faire ça sur combien d'étages? Attendez, ça donne déjà comment ça? Un petit peu plus haut, et avec ça je vois que j'ai oublié un bloc ici. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Tac, tac, tac. Ah, je sais pourquoi, c'est parce que là ça devait venir ainsi. Voilà. Là, comme ça on a la même chose des deux côtés. Je pense qu'on va encore monter sur 4-5 étages comme ça. Donc ici ça va vraiment monter d'un fameux coup. Et après on va faire monter tout droit jusqu'en haut. Donc je fais ça. Et voilà ce que ça donne. Et on se retrouve donc ici, ça recule. Et après ça monte d'un coup tout droit. Je sais pas si ça, je vais garder un truc tout droit comme ça. Ça fait un peu plat. Et aussi pendant la construction, donc j'ai un peu modifié les bords. Au début le vert il allait jusqu'ici, jusqu'au bloc rouge. Mais après j'ai modifié parce que voilà, jusqu'au bloc rouge ça donnait pas bien. Je vais faire comme ceci aussi, donc garder l'aspect de relief, parce que le rouge ça va être toujours à l'extérieur, et les blocs de quartz ce sera toujours pour dire où est le bâtiment. Donc on va monter comme ceci, voilà. Donc ça je sais pas encore si je vais garder à cette hauteur, comme je vous ai dit. Donc ici, avec les blocs de quartz, on a toujours le petit aspect de relief. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Tac. 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 Et on monte tout en haut. Voilà. Comme ceci. Donc ça, c'est fait. Sur quoi on pourrait attaquer? Attendez, hein. Ici ça me paraît bizarre que ce soit rouge et directement blanc après. Hop. Attendez, je fais un petit test. Comme je vous dis, c'est du feeling ici. Hop. Ah ouais, c'est quand même mieux comme ça. Je mettrais même bien des petits escaliers histoire d'avoir une jointure à ce niveau là. Parce que si dans le bas de la structure ça tient pas, ça fait quand même un peu bizarre. Voilà, oula, tac, 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 tac. Ouais, c'est encore à négocier ça. Peut-être pas là. Voilà, juste ici, peut-être pas, juste mettre une dalle. Hop, hop. Voilà, ça fait toujours un peu bizarre cette entrée, mais... elle me choque pas plus que ça, je trouve. Ensuite, attendez, hein. On va faire sur combien d'étages ça? Donc, le premier étage, j'ai bien envie qu'il monte jusque ici. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'ici. Voilà, comme ceci. Donc ça, ce serait le premier étage. Tac. Tac. Donc là, on garde comme ça. Et ici. Tac, tac. Donc le premier étage, bien sûr, il sera plus haut que les autres. C'est un peu normal. On va pas aller peut-être aussi loin. Ensuite, des étages de 3 ou 4. 1, 2, 3. 3, ça ferait petit, donc 4. Même si c'est du pair, on va faire des étages de 4. Tac, tac. Ouais, au moins on voit bien la différence entre les deux. Et on va faire sur... attendez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est un chouïa trop haut en fait. Attendez. À moins qu'on garde ce chouïa trop haut pour faire le toit. Ouais, je pense que je vais faire ça. On va garder ce chouïa trop haut pour faire le toit. J'ai ma...
petite idée. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Là, c'est en dehors du bâtiment, donc on va pas le faire. Voilà, comme ça. Et ça, c'est fait. Et ensuite, encore une fois, on va prendre le quartz. Et on va doubler pour garder toujours un petit aspect, de relief. De toute façon, ces endroits-là, donc les entre deux ici, en plus ça tombe parfaitement, c'est pile ce qu'il me fallait. Ici, ce sera le plancher à ces endroits-là. Donc pas besoin de faire plus. Voilà, comme ça. Donc je vais faire un côté et après je ferai l'autre côté hors caméra, ce sera plus simple. Tac. Bien sûr, je suis trop haut. Tac. Ici encore un. Et ici, on aura le toit. Ouais, on aura le toit à cet endroit-là. Voilà. Tac. Donc pour l'instant, ça rend pas encore très bien, je pense. Hop. Enfin, je vois que ce côté-ci, donc forcément, ça va pas très rendre si je regarde que d'un seul côté. Ça, c'est trop bas, par contre. Hop. Et hop. On fait ça encore une fois. Hop. Je sais pas combien de temps d'épisode on est. Ça tombe, ce sera un épisode un peu plus long que les autres. Ici, je suis un peu fatigué, donc je regarde pas spécialement le temps. Voilà, donc on aura ça comme ceci et le toit qui repartira ainsi vers l'arrière, un peu comme ici. Donc qu'est-ce que ça donne? J'ai oublié un endroit. Il faudrait, ouais. Ouais, ça fait un peu régulier, mais bon, on va garder ainsi. Et ici, de nouveau, on va reprendre le rouge. Donc le rouge est ici, voilà. Et on va de nouveau faire les étages. Oups, je me trompe. On va de nouveau faire les étages comme ceci. Tac. Tac. Attendez, hein. Ouais, ça, je vais le garder. Je vais mettre du quartz en arrière. Pour garder plus ou moins le même pattern. Bon, ça fait un peu régulier, je trouve. Mais bon, maintenant, je trouve que les bâtiments sont fort réguliers. Donc, je sais pas si ça choque vraiment. Donc, ici, on rebouche. Il y aura vraiment une toute petite fenêtre à cet endroit-ci. Et après, bah, on continue à faire comme on a fait à peu près partout. Des fenêtres comme ceci. Hop. Hop. Et là, c'est fait. Donc globalement, les façades, ça va donner ça. Je le voyais pas tout à fait ainsi, mais globalement, ça va donner ça. Ce que je vais faire, c'est mettre des carpettes ici au-dessus, comme ça si jamais vous voulez faire un copier-coller du bâtiment sur une map survie ou autre chose, ça ne spawnera pas. Et je vais m'occuper de l'autre Et côté en hors voilà, caméra donc tout de terminé suite. de faire la Et on se deuxième retrouve partie. J'ai mis des tout de suite carpettes après un pour peu sûrement partout. clôturer Donc comme vous l'épisode. voyez, ça choque À pas tout de trop. suite. Ici, je sais même pas si on en voit de cette distance. Attendez, parce que avec les shaders, ça fait un rendu un peu spécial. Non, il faut vraiment s'approcher pour qu'on voit légèrement le rouge dépasser. Donc ça rend bien. Au début, avec les shaders, vu que la clé rouge donne un peu orange, je trouve, j'ai cru que ça allait se voir, mais non. J'en ai mis aussi sur les blocs blancs, donc ça non plus, ça se voit pas. Bon, pas aux endroits où il y aura toutes les vitres et tout ça. Mais j'en ai mis, par exemple, là, sur la petite arche. Là-haut, il y a des blocs de quartz. Donc ici, forcément, on va avoir toutes les carpettes. Ici, il y a des blocs de quartz. Vu qu'ici, ce sera à l'extérieur, ben, j'en ai mis aussi. Donc, voilà. Donc, le bâtiment, pour l'instant, est spawn-proof. Et, ben, globalement, pour cet épisode, c'est terminé. Sûrement, dans le prochain épisode, je vais m'attaquer aux façades. Donc, je vais m'attaquer
à cette façade si sûrement. Derrière, ben, je ne sais pas encore trop comment faire, et l'autre côté, ben, ce sera le même que cette façade-ci. Là, ce sera une ruelle, comme j'avais dit, et là, ce sera une autre petite ruelle, vu qu'ici, on mettra un autre bâtiment, je ne sais pas encore trop quoi. Celui-ci sera certainement plus petit, je pense qu'il va arriver facilement ici. Donc, c'est à mi-chemin entre... Enfin, à mi-chemin. Ça va être plus petit que ces deux bâtiments-ci. Parce qu'il faut pas oublier que là-bas, les bâtiments rétrécissent. Donc ici, ça va être de la réduction au niveau de la taille des bâtiments pour que ça fasse pas encore trop bizarre. Qu'on ait genre un petit bâtiment, genre les bureaux là-bas. Et directement un gros bâtiment comme ça. Non, je vais faire une petite réduction. Par là, ça va être aussi des plus petits bâtiments. Et par là, forcément, ils vont être de plus en plus gros. Donc, voilà, j'ai assez parlé, je pense. Et on se retrouve, je ne sais pas encore quand, à voir quand je serai motivé pour faire une vidéo, pour faire une autre, enfin, pour faire une autre façade, ou un autre jeu, je ne sais pas encore. Donc, on se retrouve plus tard, et je vous dis salut à tous.